parle beaucoup d'environnement et de réduction des phytos. Ce sont des produits sélectifs qui permettent de détruire les plantes qu'on appelle, nous, adventices, des mauvaises herbes. Voilà. Donc en 2013, je me suis posé la question de savoir si on pouvait faire des choses justement à ce niveau pour la culture betteravière. Le point d'orgue de cette technique, c'est qu'une partie de la parcelle était travaillée chimiquement et l'autre partie mécaniquement. L'idée, c'était 50% chimique et 50% mécanique. Le résultat était très intéressant. Et donc en 2015, nous avons continué le développement de cette machine qu'on peut appeler aujourd'hui désherbineuse, qui permet de traiter chimiquement sur un tiers de la surface, c'est-à-dire réduire l'application des phytosanitaires de 66%, et de travailler sur les deux tiers restants mécaniquement. Aujourd'hui, avec les 66% de produits phyto gagnés, l'agriculteur peut très bien payer la prestation de désherbinage. Chez nous, tout a été réalisé avec des fonds propres et avec simplement l'idée de vouloir réduire les phytosanitaires.